Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons un confrère qui nous vient du Gabon. Il est directeur de publication du bimensuel Le Verbe de Ngomo. Il préside également le mouvement Honneur et Dignité. Monsieur Télésphore Obam Ngomo est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Botton. L'actualité au Gabon, c'est encore et toujours la crise post-électorale, doublée d'une crise socio-économique aiguë. Comment est-ce que vous le vivez au quotidien? Alors, je pense que la crise post-électorale, elle commence à être derrière nous, pour la simple bonne raison, c'est qu'il y a eu un dialogue politique qui épluchait, sinon qui passait en revue toutes les questions liées à la vie de notre pays. Et durant cette grande messe politique, de grandes résolutions ont été prises. Et aujourd'hui, on n'est pas en passe de pouvoir matérialiser cela à travers des textes de loi que l'Assemblée nationale se fait le plaisir de pouvoir mettre en exécution. Et concernant la crise économique, il faut rappeler qu'elle n'est pas propre au Gabon. C'est une crise généralisée qui perdure, notamment avec la question des coûts du baril de pétrole qui sont toujours assez bas. Et vous savez que notre pays, le Gabon, son économie repose beaucoup sur cette ressource première. Mais aujourd'hui, je crois qu'avec les mesures qui sont prises aussi bien par le gouvernement que par le cabinet présidentiel, je crois qu'on est en train de sortir progressivement la tête de cette situation difficile. – Je vais revenir quand même à la crise sociopolitique quand même et au dialogue, parce que ce dialogue-là, effectivement, était exhibé par le pouvoir comme main tendue quand même vis-à-vis des opposants, mais ça n'a pas tenu ses promesses. – Alors, je ne dirais pas ça de cette manière-là, je dirais tout simplement qu'il y a eu un échange entre des Gabonais de tous bords politiques. – Entre une partie des Gabonais, je préfère. – Je pense qu'on a revu et des opposants, et la société civile, et les partis de la majorité. – Mais les principaux concernés n'étaient pas à cette grande messe-là, reconnaissez-le. – Je ne sais pas si vous réduisez le champ politique gabonais de l'opposition à deux ou trois individus. – Ah, donc non. Il y a deux ou trois individus qui n'étaient pas là, vous reconnaissez mais quand même. – Mais je peux vous dire et que… – Et pas des moindres, s'il vous plaît. – Mais parce qu'ils ont refusé, c'était un choix délibéré. On ne veut pas imposer vous les gens. – Vous connaissez les raisons de leur refus ?– Mais je crois qu'il y avait un désaccord. Un refus de reconnaissance de l'autorité de l'État, un refus de reconnaissance du président Ali Bongo Ondimba. Ils estimaient qu'en allant à ce dialogue-là, ils légitimaient la position d'Ali Bongo Ondimba. Ce qui n'est pas faux. Hein. Ce qui est archi faux, d'autant plus que les personnes qui ont été des chevilles ouvrières de la campagne de l'élection présidentielle de celle de l'opposition ont quand même accepté d'aller au dialogue. Et ce n'est pas des moindres. On ne peut pas considérer à géométrie variable la pertinence sur la grandeur d'un individu au gré des humeurs des uns et des autres. René Desmaisons, pour parler de celui-là, qui était le directeur de campagne de Jean Ping, a été, on le dit bien... Mais vous savez très bien ce qui se dit en la matière, qu'on aurait débauché certaines personnes qui étaient avec Jean Ping hier. C'est ça la réalité, on le dit en la matière, mais la matière, c'est que la réalité, c'est celle qu'on vit aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui estiment... Parce que ceux que vous brandissez comme ayant participé à une certaine chose, ils étaient avec Jean Ping, effectivement, et vous connaissez très bien leur position par rapport à l'élection présidentielle où ils n'étaient pas d'accord. Mais vous savez très bien également que c'est donc Jean Ping qui est faible, s'il n'a pas réussi à retenir avec lui les personnes qui ont constitué la cheville ouvrière de sa campagne électorale. – Sauf que lui n'est pas à la tête de l'État, parce que quand on est à la tête de l'État, on a beaucoup de marge de manœuvre. – Reconnaissez-le quand même. – Mais lorsqu'il a séduit ces personnes pour faire la campagne avec lui, il n'était pas à la tête de l'État. Il n'était pas à la tête de l'État. C'était toujours Ali Bongo qui était à la tête de l'État. Non, je crois qu'il faut prendre la mesure des choses et puis vivre la réalité. On estime que l'élection présidentielle est terminée. Il y a une reconnaissance par les institutions de notre pays, par les autres puissances qui existent dans le monde entier. Ils ont reconnu la décision de la Cour constitutionnelle et la présidence Ali Bongo Ondimba. On ne va pas revenir à chaque fois. C'est-à-dire, là, on est en train de vivre ce qu'on appelle, moi j'appelle des états d'âme. Des états d'âme, sont plus qu'on ne peut pas lire à chaque fois à géométrie variable la réalité politique de notre pays. Mais est-ce que vous direz la même chose des partenaires sociaux? Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui. Les partenaires sociaux. Beaucoup de grèves quand même. Hein. Les partenaires sociaux, vous savez que le combat sur le plan social est une lutte en permanence. Mmh. On négocie toujours au mieux offrant, on négocie toujours au mieux disant. Dans ce cas-là, le dialogue social, il n'est pas uniquement réservé à un cadre donné, une période donnée, c'est tout le temps que les partenaires sociaux négocient. Mais apparemment, cette fois-ci, c'est un bras de fer carrément qui s'entretient entre le pouvoir et l'opposition, sur les partenaires sociaux, je veux dire. Ah non, je crois qu'il y a un dialogue qui s'est installé. Aujourd'hui, il y a eu une trêve sociale qui a été quasiment signée. Et aujourd'hui, on constate que le dialogue n'a pas été rompu entre le pouvoir en place et les partenaires sociaux. Autre élément dans cette émission, le Gabon vient de rompre son contrat qui le lie avec le groupe français Veolia. Est-ce que vous comprenez les raisons? Alors, il faut que les gens, le monde entier, sachent que la concession qui liait l'État gabonais à l'entreprise Veolia était terminée depuis le 17 juin 2017.
VLU a été en train de renégocier un nouvel accord, un nouveau partenariat. Malheureusement, ça n'a pas été accepté. Il y a eu bien sûr des mécanismes, un avenant qui avait été signé, mais dont les clauses sont bien connues, dire que l'État gabonais pouvait rompre. Surtout plus que Veolia ne répondait pas du tout aux besoins des Gabonais. Comment peut-on comprendre ? Mais depuis quand Veolia ne répond pas aux aspirations des Gabonais ? Si vous êtes, arrivé à Libreville, il y a des coupures d'eau intempestives, il y a des quartiers entiers qui n'ont pas… Et c'est du fait de Veolia ? Ben, je crois que c'est l'entreprise qui gère la question de l'eau et l'énergie. Quelle est la participation de l'État gabonais dans ce groupe-là ? C'est que l'État gabonais a… Et la participation que l'État gabonais a aujourd'hui a rompu un contrat qui ne pendant que le contrat était en cours, quelle était la part de l'État gabonais ? La part de l'État gabonais était de contrôler justement le service de Veolia. Oui. Mais arrivé à échéance, mais bien naturellement… Les installations appartiennent à qui ? À l'État gabonais. Justement, est-ce que l'État gabonais a répondu à sa part de contrat par rapport à ces installations-là ? L'État gabonais a répondu à sa part de contrat, c'est Veolia qui ne s'est pas à la hauteur. Monsieur Bouton, il faut regarder la chose à l'envers. Non, monsieur Ngomo, vous n'allez pas quand même m'expliquer ce qui n'existe pas. Il faut... L'État gabonais était en droit de mettre en place les installations et les Veolia devaient quand même assurer le temps. Monsieur Bouton, il faut regarder la chose à l'envers. Oui. Pourquoi une multinationale cotée en bourse veut continuer à perdurer un contrat avec un pays qui dit qu'il n'est pas sérieux ? Il y a quand même Anguille Sous-Roche. Veolia, dans ses déclarations, après crise, bien entendu. Le contrat était terminé depuis le 17 juin 2017. Il n'y avait pas une obligation de renouveler le contrat. Je crois quand même qu'il y a des autres entreprises françaises qui méritent. Il n'y avait pas d'obligation, mais pourtant, on a commencé par discuter. On était en pleine discussion. La discussion. Comment se fait-il que unilatéralement, l'État gabonais suspend les discussions ? En toute forme de discussion, il n'y a pas d'obligation. On négocie. Est-ce qu'on renouvelle la concession de Veolia ou on ne renouvelle pas ? Veolia pose ses arguments sur la table, l'État gabonais également pose ses exigences sur la table, mais quand on fait le rapport, on se rend compte qu'il ne sert à rien, dans un monde en pleine concurrence, de laisser la part belle à Veolia alors qu'il y a d'autres concurrents qui peuvent fermer. Est-ce que le Gabon ne coupe un gros risque ? Parce qu'on a déjà vu ces bras de fer, comment ça finit ? On verra un avion, peut-être gabonais qui viendra ici, et on va raisonner l'avion qui ne pourra plus partir, et l'État gabonais va payer beaucoup. Qui paye ? C'est le contribuable. L'État gabonais va faire valoir ses droits, parce que nous sommes dans un monde organisé où ce n'est pas la loi du plus fort qui agit, c'est la loi du droit. Et je crois que l'État gabonais s'est préparé en conséquence. Vous avez suivi le communiqué du MEDEF ? Mais c'est normal, le MEDEF est une entité qui défend les intérêts de l'entreprise française. Mais j'ai envie de dire que le MEDEF sera peut-être bien surpris si tant est qu'une autre entreprise française vient à répondre à un appel d'offres concernant. Parce que je dis, en France, il y a plusieurs entreprises, il y a Suez, il y a Engine, il y a l'Union des Eaux qui peuvent être sélectionnées. Et d'ailleurs, Veolia n'est pas exclue de la candidature, de l'épouse à la candidature pour renouveler encore la Constitution. Autre élément dans cette émission, le prochain Parlement gabonais comptera 143 députés au lieu de 120 préalablement. Est-ce que vous comprenez cette augmentation de sièges ? Oui, je crois que… Dans un pays en crise, j'allais dire. Je crois que… Non, la question de la crise est une chose, mais la question de la justice également. C'est une justice politique qu'on est en train de résoudre. Il était anormal que dans un pays, d'abord, comme le Gabon, on puisse avoir des personnes qui sont élues avec 300 électeurs, quand d'autres le sont avec 8000 électeurs. Ça, vous parlez du découpage électoral. Il fallait rééquilibrer tout ça. Le découpage électoral, les 143 députés, ils ne tombent pas du ciel. C'est fonction du découpage électoral. Parce qu'un député concerne une circonscription électorale. Dans cette mesure-là, le découpage électoral, on ne peut pas faire fi de cela. Mais on ce découpage porte le gemme d'une certaine contestation quand même. Le question de qui ? Puisque c'est l'issue du dialogue politique. Des acteurs politiques, justement, qui estiment que c'est un découpage fait sur mesure. Vous connaissez bien ce qui est mis en cause. Mais justement, la politique de la chaise vide n'a jamais été sincère, n'a jamais été bonne. Ce n'est pas une question de politique de chaise vide. Est-ce qu'on ne peut pas faire un découpage quand même qui répond à un certain nombre de critères objectifs? Mais c'était le cas, monsieur Bouton. Oui. Parce que lorsqu'il y a eu le dialogue politique dans Ngondje, il y a eu une parité dans les compositions des différents groupes. L'opposition… Et la société civile. Je parle du dialogue politique, moi je parle du découpage territorial. Mais le découpage électoral. Le découpage électoral, tel qu'il a été annoncé, est le fruit d'une réflexion, du dialogue politique, des conclusions du dialogue politique. Le dialogue politique a souhaité qu'il y ait un nouveau découpage électoral. Avec la proposition. Mais ce qui a été fait, je vais vous donner un exemple tout juste. La province du Rotogoué, qui est le fief électoral et ethnique du chef de l'État, possède aujourd'hui le deuxième plus grand nombre de sièges derrière l'Estuaire. Vous comprenez cela ? Je comprends cela, monsieur. Est-ce que ce n'est pas là le vrai découpage de mesure ? Je comprends cela, monsieur Bouton, mais je suis contre la stigmatisation.
Je suis contre la situation, dans la mesure où on est en train d'épingler à chaque fois une province, voulant la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Mais et je trouve ça injuste et je trouve que c'est même à la limite dangereux. Ça, c'est les faits. Vous savez, ça, c'est les faits. C'est vrai ou c'est pas vrai? Comme ce sont les faits également, pour ce qui est le drame qui est arrivé au Rwanda, c'était parce qu'on a stigmatisé une population que ça donnait un drame. Ce que je suis en train de dire. Non, c'est vous qui stigmatisez. Allons-y sur les faits concrets. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai? Est-ce que le Haut-Togo aujourd'hui possède le plus grand nombre de sièges derrière l'estuaire? Mais le Haut-Togo a une population très importante après l'estuaire. C'est en fonction de la population. Il y a beaucoup d'entreprises minières, etc., qui travaillent dans le Haut-Togo, donc une forte population. C'est à partir de ces éléments-là qu'on définit la densité, sinon le nombre de sièges pour les députés. Ce n'est pas des vues de l'esprit, ce n'est pas tombé du ciel, c'est par rapport à des critères objectifs qui ont été prédéfinis avant pour l'ensemble du pays. Et à partir de là, on trouve sur des conclusions. Il y a le pouvoir gabonais qui a annoncé les législatives prochaines pour fin avril. Nous sommes en mars, l'enrôlement n'a même pas commencé. Alors, est-ce qu'on ne court pas le risque d'un report? Non, on ne courra pas le risque d'un report parce que depuis 2 ans déjà, ces élections devaient être organisées, premièrement. Deuxièmement, le processus a commencé depuis fort longtemps parce qu'il fallait prendre la mesure des discussions d'Angoundié, il fallait réadapter, mettre à jour les textes. Et ça était un processus qui a commencé depuis fort longtemps et aujourd'hui qui arrive à maturation. Maintenant, ce qui se passe, c'est que durant le mois de mars, ce mois de mars précisément, il y a le début d'enrôlement qui va se faire. Donc vous êtes convaincu qu'on ne va pas reporter l'élection législative? Je suis convaincu que les élections de mon pays sont sérieuses. En tout cas, beaucoup de personnes sont inquiètes par rapport au respect de ce calendrier. Ce sont des inquiétudes injustifiées. On va parler encore de la crise, on va parler de la crise post-électorale née du fonctionnement des institutions lors de la dernière élection présidentielle. Mais avant, on va marquer une pause. Monsieur Ngomo, chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On marque une pause, on vous retrouve dans quelques instants.